لنا بسم الله الرحمن الرحيم تلميذاتي تلاميذي الاعزاء نواصل واياكم الدروس المقدمه عن بعد والتي تهم تلاميذ وتلميذات المستوى الاولى بكالوريا خيار فرنسيه وسوف نواصل الدرس الذي كان بعنوان الهيكل الكربوني والجزيئات العضويه والان سوف نحاول التطرق الى ليزالسين ستادير ليزالكان انساتوري بسم الله دونك لي هيدروكربور نون ساتوري جو دون لو بلون دو نوتر كور دونك اون فوا كومونسي بار لي هيدروكربور نون ساتوري ستادير ليزالسين اي لي ديفيغ ايتيلينيك اي لي زوزومير اي فينالمون L'influence de la chaîne carbonique sur les propriétés physiques d'un hydrocarbure. La définition des hydrocarbures non saturés ou alcènes, les alcènes sont des hydrocarbures non saturés, non cycliques, qui possèdent une double liaison C-C. Donc, tous les alcènes contiennent dans la chaîne carbonique une double liaison CC. Leur formule brute CnH2n, c'est identique à les cycloalcanes. Mais les acides sont strictement différents. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent au moins une double liaison. Les divers éthyléniques du composé organique qui possèdent au moins une double CC. Et je vous donne quelques exemples. Voilà l'exemple 1, la molécule contient au moins une double liaison. La deuxième aussi contient une double liaison. Est un acide ramifié aussi un acide qui contient deux doubles liaisons. Donc et voilà d'autres exemples. Par exemple le propyl contient double liaison et pour le méthyle contient une double liaison. Pour la nomenclature des acides, il y a des règles aussi. Bon, donc pour nommer un acide, on suit les étapes suivantes. On détermine d'abord la chaîne carbonique principale qui contient la liaison double et on numérote cette chaîne de façon que le premier atome contient la liaison double et le plus petit numéro possible. On remplace dans le nom de l'alcane le suffixe A par le suffixe Y. On précise qu'on pour les alcanes ramifiés, les positions des alcanes. Je vous donne un exemple. Pour cette molécule, on va choisir d'abord la chaîne carbonée qui contient la liaison double et on va numéroter la chaîne carbonée. En commençant d'abord par le carbone qui contient le double liaison 2 et 3. Voilà la chaîne carbonée. La chaîne carbonée principale qui contient 3 carbones. Donc le donnant le propane. Et voilà la ramification, c'est-à-dire un alkyle, le méthyle. Donc pour nommer cette molécule, en commençant par le 2-méthyl et après le but propre 1-yl. Et voilà le nom 2-méthyl propre 1-yl. D'autres exemples pour nommer cette molécule. Donc on numérote la chaîne principale qui contient le 2-méthyl et on donne le numéro le plus bas possible. Donc le nom de cette molécule est le 22-yl. C'est la même chose pour la molécule B, 2-méthyl-but-2-yl. Et finalement, pour la molécule C, 4-méthyl-pent-1-yl. Donc on va traiter les isomères. Donc on appelle un isomère les molécules ayant la même formule brute, mais de représentation.
On distingue deux types d'isomères, les isomères de constitution et les stéréoisomères. Donc, par exemple, les isomères de chaîne qui diffèrent par la structure de la chaîne de carbone, comme les deux exemples. On a la même nombre de carbone, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais, et aussi le doublé dont le carbone se trouve dans le carbone numéro 1, c'est la même pour cette molécule, mais la position dans laquelle il est linéaire, mais dans cette molécule, il est ramifié. Les isomères de position qui diffèrent par la position de la double liaison, comme ça, et si le doublé existe dans le carbone numéro 1, mais dans cette molécule, le doublé existe dans la position numéro 2. Donc il y a aussi les isomères Z2E, c'est-à-dire cis et trans. La double liaison dans un ancien entraîne la présence des stéréoisomères, car cette liaison s'oppose à la rotation autour de son axe. Donc si les deux atomes d'hydrogène sont dans le même plan, dans le même demi-plan par rapport à l'axe de la double liaison CC, le stéréoisomère est Z et le cas contraire est-il E. Je vous donne un exemple. Voilà l'axe de rotation. Donc les deux hydrogènes se trouvent en deux demi-plans opposés. Mais donc c'est le nom, il contient 1, 2, 3, 4 carbones. Et le doublé se trouve au carbone numéro 2. Donc 4 carbones, c'est-à-dire le but. Et le doublé dans l'alimentation, dans le carbone numéro 2, 1, 2, 3, 4. Donc 2 liés. Mais le préfixe E pour déterminer ce que la molécule est E ou Z. Même chose pour la deuxième molécule. Z8-2-Yen. Donc l'influence de la chaîne carbonée sur les propriétés physiques d'un hydrocarbure. Donc les propriétés physiques, par exemple la température d'ébullition, la solubilité, la densité, etc. d'un hydrocarbure dépend de la longueur et de la nature de la chaîne carbonée, linéaire ou ramifiée. Donc, en commençant d'abord par la densité des alcanes et des acènes, pour les espèces liquides d'une même famille, alcanes, acènes, alcool, etc., la chaîne carbonée, linéaire, la densité par rapport à l'eau augmente avec la longueur de leur chaîne carbonée. Par exemple, si on a le méthane et l'éthane, donc la densité de l'éthane est plus élevée que celle de méthane. La solubilité dans l'eau, les hydrocarbures sont insolubles dans l'eau, moins denses que l'eau et non miscibles à elle, mais solubles dans les solvants organiques. La preuve que les hydrocarbures sont insolubles dans l'eau, c'est l'apparition des marées noires à la surface du mur. Et voilà quelques photos. Les marées noires qui se trouvent à la surface des mers. Donc pour la température d'ébullition, donc les composés organiques d'une même famille n'ont pas la même température d'ébullition. Sa température augmente lorsque la longueur de la chaîne carbonée augmente aussi. Et donc l'utilisation de la température d'ébullition pour la distillation fractionnée. Par exemple, le pétrole est un mélange naturel complexe d'hydrocarbures. Avant son utilisation, le pétrole subit l'opération de raffinage. La distillation fractionnée est la première opération de raffinage qui se réalise dans des tours de 60 mètres de hauteur et 10 mètres de diamètre. La distillation fractionnée permet de séparer les constituants de pétrole à des espèces chimiques ayant des températures d'ébullition. Voilà, à des températures d'ébullition. Les constituants extraits en premier plus volatiles,
qui a la température d'ébullition la plus basse. Et merci, les élèves, de votre attention.